Bonsoir, bienvenue sur TV et Radio de Vie, bienvenue dans votre émission. Il est minuit dans l'horloge divine, dans l'horloge de Dieu. Il est l'heure pour nous, enfants de Dieu, de nous préparer, il est l'heure de se réveiller pour le Mashiach. Père, notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, nous voulons te bénir pour ta grâce, ta présence et ton amour envers nous. Merci pour cette soirée. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés. Nous te confions toutes choses. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu de gloire. Amen. Voilà, nous allons parler de la septième coupe. Nous allons prendre tout de suite Apocalypse chapitre 16. On va d'abord lire le chapitre 14. On va lire le chapitre 14 et à partir du le chapitre 15, pardon, à partir du verset 15 à partir du verset 1er, mais avant, excusez-moi, on va prendre le chapitre 14 à partir du verset 9. Voilà, c'est bon, on y est. Gloire à Dieu. Donc, Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 9. Et un troisième ange les suivit, disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Et ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ici est la persévérance des saints. Ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà, donc on nous apprend ici que la colère de Dieu, c'est ce vin, n'est-ce pas, qui sera bu par les adorateurs de la bête. Ceux et celles qui adorent la bête, ceux et celles qui ont la marque de la bête, et ainsi que son image. Et nous sommes dans le chapitre 15, à partir du verset 1er. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges qui tenaient les sept derniers fléaux, car c'est par eux que s'accomplit la colère de Dieu. Donc les sept coupes de la colère de Dieu sont les sept fléaux qui vont, mes amis, qui vont être déversés, envoyés sur la terre, sur toute la terre. Et on nous dit que c'est par ce fléau que la colère de Dieu sera accomplie. Ce sont les derniers fléaux. Après ces coupes, il n'y aura plus, mes amis, des fléaux qui vont frapper l'humanité. Et la parole nous dit que ce sont les anges, ce sont sept anges qui ont ces coupes, qui tiennent ces coupes. Sept anges qui tenaient les sept derniers fléaux, car c'est par eux que s'accomplit la colère de Dieu. Donc nous apprenons ici que la colère du Seigneur sera déversée particulièrement au travers de ces coupes. Hein, donc cette colère sera déversée sur le royaume de la bête, sur ses adorateurs, sur ceux et celles qui sont dans la rébellion. Et la parole nous dit, à partir du verset 6, et les sept anges qui avaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur et blanc, et ayant des ceintures d'or autour de leur poitrine. Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit d'âge en âge. Et le temple fut rempli de la fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soient accomplis. Et nous savons que ici l'histoire se répète, hein, donc c'est la même chose que les Égyptiens ont vécu, Pharaon, et bien sûr ici l'image de l'Antichrist. Et les Égyptiens qui étaient d'accord avec Pharaon représentent ces hommes et ces femmes de notre génération qui refusent de se tourner vers le Seigneur et qui ont malheureusement pour eux la marque de la bête. Et la parole nous dit,
Et au chapitre 16, au verset 1er, j'entendis du ciel, j'ai entendu du temple une voix éclatante qui disait aux sept anges, allez et versez sur la terre les sept coupes, versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. Donc, c'est des coupes qui seront versées sur la terre. Et 7 est le chiffre de la perfection. Paul nous apprend que nous ne sommes pas, nous chrétiens, nous l'Église, destinés à la colère à venir, selon 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 9, et également 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. Voilà, donc Paul nous dit que le Seigneur va nous délivrer de la colère à venir. Et cette colère-là ne concerne aucunement, bien sûr, les enfants de Dieu, comme Dieu l'avait aussi fait avec... Il a protégé à l'époque où la colère de Dieu était déversée sur l'Égypte. Dieu, notre Seigneur, avait protégé son peuple, le peuple d'Israël. Alors, nous allons partager sur la dernière coupe qui va être versée qui sera versée sur le royaume de l'homme impie sur la terre. Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 17. Puis le septième ange versa sa coupe dans l'air. Alors, la particularité de la septième coupe, c'est que elle va être déversée dans l'air. Alors pourquoi l'air? On voit dans Éphésiens chapitre 2. Et donc le Seigneur va commencer d'abord par juger le royaume spirituel. N'est-ce pas? Parce que vous savez que Babylone, parce qu'il est question de la chute de Babylone, en fait. Le versement de la septième coupe parle de la destruction, du jugement de Babylone. Or, Babylone est un royaume qui est d'abord dirigé, qui est régi par les esprits, dirigé par des démons. D'accord? C'est un repaire des démons de la parole. Donc, Dieu va d'abord commencer par juger, hein, par déverser cette colère-là sur le royaume des esprits impurs. Et la parole nous dit justement dans Éphésiens chapitre 2, Paul dit, et lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, suivant l'âge de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficacité dans les fils de la rébellion, dans les fils rebelles à Dieu. Donc, vous voyez, on nous dit ici que l'esprit, hein, celui qui a la puissance de l'air, c'est-à-dire le diable, agit maintenant avec efficacité dans les fils rebelles à Dieu. Donc, vous voyez bien que Babylone, c'est la rébellion. Hein? C'est une nation, c'est la terre entière qui se rebelle contre Dieu. Et la parole nous dit que cette rébellion vient de l'esprit de l'air, c'est-à-dire Satan. Voilà pourquoi la septième coupe va être déversée sur, n'est-ce pas? Alléluia, gloire à Dieu. Va être déversée dans l'air. Voilà, l'air. Vous vous rendez compte, hein, donc, et là, c'est vraiment parce que l'air nous parle de l'esprit. Voilà, l'air, ruach en hébreu, signifie haleine, signifie esprit, signifie souffle, hein, ou pneuma en grec. Et donc, on voit vraiment que la septième coupe ou le septième jugement va commencer d'abord par secouer le royaume de l'impie. Dieu commence par secouer, juger l'origine du mal, la source du mal de Babylone. Donc les démons, et on va en parler aussi tout à l'heure. Et alors dans Apocalypse 16, on revient au verset, à partir du verset 17, le verset 18 nous dit, 17 nous dit, puis le septième ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du ciel une voix forte qui venait du trône, disant, c'est fait. Et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres. Et il se fit un grand tremblement de terre, dis-je, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les hommes sont sur la terre. Donc, on va d'emblée nous montrer ce tremblement de terre. Donc, on va aller verset par verset pour que vous compreniez le message ce soir. Et on va nous montrer un peu les images des tremblements de terre. Alors, ce tremblement de terre, nous dit la parole, n'a jamais été constaté, n'a jamais eu lieu depuis que les hommes sont sur la terre. Et donc vous allez voir vous voyez quelques images, hein, quelques images de différents tremblements de terre. Et le Seigneur nous dit justement dans Matthieu 24, comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchaient de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Mais Jésus leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici
pierre sur pierre qui ne soit démolie. Puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous, quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge? Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Voilà, donc le Seigneur a prédit ces tremblements de terre et regardez comment, mes amis, des grands bâtiments, des grands immeubles sont secoués par divers tremblements de terre. Et c'est pas forcément évident, c'est pas évident de vivre ce genre d'événement. Et regardez comment les routes, les ponts les sont complètement balayés, renversés, secoués comme des châteaux de cartes pour vous montrer à quel point, mes amis, Dieu est grand, à quel point tout ce que l'homme peut construire, tout ce que l'homme peut produire n'a aucune valeur aux yeux du Seigneur. Ça ne tient pas. Et bien sûr, les tremblements de terre provoquent beaucoup, beaucoup de choses, provoquent bien sûr des troubles, parce qu'il peut y avoir des pillages, provoquent beaucoup, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, et beaucoup de gens se retrouvent sans toit, sans nourriture, sans rien, complètement dépourvus de tout et voilà, ayant tout perdu à cause de ces tremblements de terre, à cause de tous ces troubles, et toutes ces secousses. Regardez comment des bateaux sont transportés, des bateaux qui se retrouvent, ça je crois que c'est un tsunami, au Japon, je crois si je ne me trompe. Voilà, donc, et tout ça là, ça provoque aussi des tsunamis, parce que les tsunamis sont les résultats, mes amis, des plaques tectoniques qui se rencontrent. Donc il y a beaucoup, beaucoup de troubles, beaucoup de choses qui vont avoir lieu. Et la parole nous dit justement que lorsque la septième coupe sera versée sur la terre, eh ben, dans l'air, pardon, et là, ben, il va y avoir des tonnerres, des voix, des éclairs, et un grand tremblement de terre. Des éclairs, des voix et des tonnerres. Et bien sûr, mes amis, on nous parle d'un orage particulier que la terre n'a jamais connu. Des éclairs, des voix et des tonnerres. Alors imaginez quand il y a des coups de tonnerre, tout le monde se cache. Quand il y a des éclairs, tout le monde se cache. Et là, ça va être, mes amis, un orage que le monde n'a jamais connu dans les airs. Pourquoi? Parce que justement, la coupe sera déversée dans l'air. L'air ici peut être à la fois le royaume, peut représenter à la fois le royaume de Satan, qui est l'esprit de l'air, et aussi l'air, l'atmosphère, tout simplement. C'est-à-dire, cette coupe va provoquer des orages très très intenses, très très forts, très puissants dans les airs, dans le ciel et sur terre. Vous imaginez, eh bien, des tremblements de terre. C'est-à-dire, les hommes seront comme pris en sandwich. Vous vous rendez compte? Au ciel, c'est l'orage, ce sont des éclairs, des tonnerres. Sur terre, c'est des tremblements de terre. Et mes amis, je n'aimerais pas être là ce jour-là. Je vous invite également, vous, enfants de Dieu, à vous préparer pour ne pas être là ce jour-là. Regardez un peu ces tremblements de terre, regardez cette image, regardez ça, c'est terrible. C'est terrible ce qui va se passer. Et ça, c'est encore rien. Imaginez cette personne, ces personnes dans ce véhicule, avaient des projets. Elles ne s'imaginaient pas se retrouver dans un trou pareil. Voyez? Et c'est terrible de voir à quel point, mes amis, la terre est complètement instable. La terre peut être secouée, ébranlée dans tous les sens. Voilà. Donc, je vous disais qu'au ciel, il va y avoir des coups de tonnerre, des éclairs et des voix. Ça va être un orage terrible. Et sur terre, des tremblements de terre. Imaginez, il n'y aura pas un seul endroit où les gens pourraient éventuellement se cacher.
Et la parole nous dit justement, à cause de ces orages dans les airs, à cause de ce tremblement de terre, le verset 9 d'Apocalypse 16 nous dit, la grande ville fut divisée en trois parties. À cause des orages intenses, à cause des coups de tonnerre, à cause des éclairs et surtout à cause de tremblements de terre que le monde n'a jamais connus, eh bien, la grande ville sera divisée en trois parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et là, c'est terrible. C'est terrible ce qui va se passer. La Bible nous dit qu'à cause de ce tremblement de terre, la grande ville, c'est-à-dire Babylone, c'est-à-dire la terre, sera divisée en trois parties. Vous vous rendez compte? Déjà, les plaques continentales, tout ça, au départ, elles ne formaient qu'un seul bloc. Et avec le temps, avec les tremblements de terre, tout ça, ces plaques se sont séparées pour donner les continents. Eh bien là, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, il va y avoir, mes amis, trois blocs seulement. Ça va être terrible. Terrible tellement que ce tremblement de terre sera, ces tremblements de terre, parce qu'il y en aura beaucoup, seront puissants, forts. Et là, des continents vont se rejoindre et pour former trois blocs. Voilà. Et la Bible nous dit que les villes des nations tombèrent, c'est-à-dire les beaux bâtiments que l'on a là. On peut continuer à montrer, il y a des images encore, hein. Il y a des bâtiments qui vont s'écrouler et les immeubles vont s'écrouler et les villes des nations, comme on a pu voir, hein, vont tomber. Et Babylone la grande va tomber et Dieu nous dit la parole, va se souvenir de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Babylone va boire cette coupe-là. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent plus retrouvées. À cause de ce tremblement de terre, les îles vont disparaître. Je me rappelle encore, j'étais en Martinique il y a quelques années, peut-être 13 ans de cela, en dormant, j'étais en mission là-bas, j'ai une vision où je voyais un tremblement de terre puissant qui avait provoqué un tsunami tel que toute l'île était sous les eaux. Toute la Martinique était inondée, toute la Martinique était sous les eaux et il n'y avait plus rien et tout le monde presque était mort. Et d'après les informations que j'ai, depuis quelques années, les autorités, même dans les îles, notamment à Martinique, préparent des sacs, hein, des sacs mortuaires pour une éventuelle, mes amis, un éventuel tsunami, hein, et qui provoquerait des milliers des victimes. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont vraies, des choses qui peuvent se passer et qui vont se passer d'ailleurs parce que la parole le dit, que les îles vont s'enfuir. C'est-à-dire les îles carrément vont disparaître, il y en a qui vont disparaître, les montagnes qui ne seront plus retrouvées, hein, parce que les îles, c'est quoi? Oh, les îles, c'est des bouts de terre qui sortent de la terre, hein, de l'eau, hein, donc c'est comme des montagnes qui poussent comme ça. Et les montagnes ici nous parlent aussi selon la parole prophétique, nous parlent des pays, des royaumes, hein, des villes, tout ça va disparaître. Et on nous dit au verset 21, une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes, n'est-ce pas, blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car le fléau qu'elle causa fut très grand. Au lieu de se repentir, ils vont encore être en colère contre le Seigneur. Regardez l'état de route, de cette route, à cause d'un tremblement de terre. Vous savez, c'est quand même fort. Mes amis, c'est terrible quand la nature se déchaîne. Voilà, donc on va nous montrer un peu l'image de grêle, s'il vous plaît, si c'est possible. Voilà, donc on a toutes ces images-là, on va pouvoir vous les partager afin que vous voyez vous-même que les temps sont vraiment, les temps sont difficiles, qu'il faut se préparer pour le retour du Mashiach. Et là, en fait, la sixième coupe sera déversée et ça va être le jugement de la grande prostituée. Voilà. Regardez toutes ces inondations là. Hein, c'est terrible. Toutes ces grêles là qui tombent du ciel. Et on continue, on a pas mal d'images là. Voilà, Seigneur. Et Apocalypse 17 nous dit justement. Donc on a une vidéo, je crois, là, on va vous montrer un peu, voilà, quelques images.
Et voilà, des gens qui roulent normalement et qui ne s'attendent à rien. Et d'un seul coup, hein, vous allez voir, le ciel va changer et puis il va se mettre à des grêles vont commencer à tomber sur leur véhicule. Voilà, l'orage qui se profile là. Donc ça va être pire que ce que vous allez voir là, mes amis. Et parce qu'on nous dit que une grosse grêle, hein, dont les grêlons pesaient un talent. Un talent ici correspond à l'époque, un talent d'argent pesait 45 kilos. Hein, et un talent d'or pesait 90 kilos. Alors, tout est possible, vous me direz, mais c'est énorme. Bah oui, mais là, moi, je crois que la parole, Dieu dit vrai, hein, Dieu ne ment pas. Donc, imaginez des grêlons qui vont peser 45 kilos, qui vont tomber sur les gens. Imaginez un peu, mes amis, l'état des maisons, l'état des routes, l'état de véhicules ce jour-là. Ça va être catastrophique, ça va être terrible. Voilà, donc vous allez voir des grêlons qui vont commencer à tomber là sur les gens là. Voilà, l'heure arrive, les temps sont difficiles. Puis l'un de sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands des eaux. Donc, vous voyez bien que le déversement de la septième coupe, ce sera le jugement de la grande prostituée, le jugement de Babylone, le jugement de cette femme assise sur les grands des eaux. Donc, c'est le jugement de Babylone. Babylone, c'est à la fois le système politique et religieux. Hein, c'est le système politico-religieux que Dieu va juger. Et donc là, un de sept anges dit à Jean, ben, viens avec moi, ben, je vais te montrer le jugement de cette femme. Donc voyez bien que les sept coupes sont sept jugements, sept fléaux que Dieu, mes amis, va exercer, va envoyer sur terre pour punir simplement les hommes à cause de leur rébellion. Et donc ouais, on va essayer d'avancer un peu l'image là par rapport aux grêlons qui vont commencer à tomber. Voilà, ça commence à tomber. Voilà, imaginez un peu mes amis, ça c'est encore rien. Ce qui va se passer pendant la grande tribulation, pendant mes amis le versement de cette coupe, ça va être pire que ça. Ça va être terrible. Mes amis, ça va semer la pagaille partout. Hein, imaginez un peu là, mes amis, là c'est juste des grêlons, de la grêle qui font quelle taille? Peut-être la taille de petite bille, tout ça, mais là ça va être des grêlons, de grêle qui vont peser près de 45 kilos. Et ça va être terrible, hein, terrible. Imaginez, regardez un peu les images là, et ce qui va se passer pendant, mes amis, le versement de la septième coupe, là ça va être pire que ça. Pire que ça. Et voilà pourquoi il faut vraiment se préparer pour le retour du Mashiach. Et voilà, Dieu ne ment pas. Et tout sera détruit. Hein, tout. Au ciel, grêlons, sur terre, tremblement de terre. Imaginez un peu, mes amis, ce que va se passer pendant cette période. Hein, d'où l'importance pour nous de nous préparer. Regardez, ça c'est voilà. Ces images-là, vous voyez, c'est encore rien ce qui va se passer là pendant la grande tribulation, mes amis. Ah, rien, c'est rien. Cette image-là n'est rien en comparaison de ce que les hommes vont vivre pendant la grande tribulation. Alors, on nous dit que ça va être le jugement de la grande prostituée. Regardez cette image, regardez, mes amis, regardez. Ça tombe du ciel. Vous vous rendez compte, mes amis, là? C'est immense, c'est énorme. Énorme. Cette grêle-là, imaginez. Si si ça tombe sur ta tête, eh ben tu meurs. Tu meurs. Eh ben, imaginez, là, ça doit faire combien de kilos, là, à votre avis? Hein, c'est à vous de faire une estimation. Hein, au moins 2 ou 3 kilos, là. Et pendant la grande tribulation, mes amis, ça va faire 45 kilos, hein, de grêlons comme ça, là. Ça va être une grêle terrible, terrible, chrétien. Préparez-vous pour le retour du Mashiach. Dieu est en colère contre cette génération. Une génération perverse et corrompue. Et la parole nous dit, regardez l'état de ce véhicule. Et ça, c'est encore rien, hein, ce qui va se passer pendant la grande tribulation, là, c'est rien.
On continue à montrer quelques images là parce qu'il faut que vous voyez ce qui se passe. Regardez ces véhicules, tout ça. On continue. Voilà. Alors, on va nous montrer un peu la femme assise sur la bête dont parle le livre d'Apocalypse 17. Cette femme qui va être jugée lorsque la septième coupe sera versée sur la terre. Parce que cette coupe, c'est elle, cette femme. Elle sera bue, pardon, cette coupe sera bue par cette femme. N'est-ce pas? Alors, ça, vous avez cette image sur la BJC. Donc, cette femme, vous voyez, elle est habillée en pourpre, hein, et elle a une coupe. Merci pour merci l'équipe. Elle a dans sa main droite, elle tient une coupe d'or, hein, donc on va le lire en même temps. Puis l'un de sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre ont commis la fornication et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa prostitution. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Vous voyez les sept têtes de la bête? Les sept têtes et 10 cornes. Si vous comptez les cornes là, vous allez voir qu'il y en a en tout 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Donc, on va nous montrer comment elle est habillée, de pourpre et d'écarlate. Et on nous dit, elle était, n'est-ce pas, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations et de l'impureté de sa prostitution. Il y avait sur son front un nom écrit, un mystère, Babylone la Grande. La mère des impudicités et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang de saints et du sang des martyrs de Jésus. Et quand je l'ai vue, hein, quand je l'ai vue, je fus saisi d'un grand étonnement. C'est terrible, hein? Donc Jean dit, et quand je la vis, hein, et quand je la vis, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme. Vous vous rappelez de l'abîme? Ah, et l'abîme. Donc l'antichrist vient de l'abîme. Vous vous rendez compte, mes amis? L'abîme, c'est là où les démons sont enfermés. C'est là où certains démons, certains les anges qui ont péché avec les femmes dans Apocalypse, qui sont tombés avec des femmes dans Genèse 6. C'est là que ces anges sont enfermés selon Pierre et Jude. Et elle doit aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie dès la fondation du monde, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle l'était et qu'elle n'est plus et que toutefois est. Et pourquoi les gens vont s'étonner ici? Tout simplement parce que, et en fait, le verbe s'étonner ici signifie aussi admirer. En fait, Jean, bien qu'étant apôtre, il avait quand même admiré cette femme. Vous vous rendez compte? Et l'ange lui dira, mais pourquoi l'admires-tu? Pourquoi es-tu en train de l'admirer? Et Babylone, mes amis, est tellement séduisante. Babylone est tellement, mes amis, dans la subtilité, que si tu n'es pas prudent, si tu n'es pas prudent, ceux qui ne sont pas prudents tombent dans son piège. Jean, bien qu'étant apôtre, hein, bien qu'ayant reçu l'onction, Jean était dans l'admiration. Parce que cette femme, elle est tellement belle. Et bien sûr, c'est le système religieux, hein, politico-religieux. Mais ici, là, l'accent est beaucoup plus mis sur l'aspect religieux. Et la bête, c'est l'aspect politique. Donc cette femme, c'est vraiment l'aspect religieux, c'est le côté religieux. Et vous savez, la religion séduit beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont bien commencé avec la vérité et qui sont finis religieux avec des soutanes, avec des collets cléricaux, tout ça. Et on continue la lecture. On nous dit que les habitants de la terre vont l'adorer, ceux dont les noms ne sont pas dans le livre de vie. C'est quand même terrible. Et c'est ici qu'il faut un esprit intelligent et qui ait de la sagesse. Donc il faut l'intelligence que Dieu donne, la sagesse que Dieu donne aussi, pour pouvoir saisir, comprendre, discerner, hein, les subtilités de cette femme et de cette femme, mes amis, complètement abominable. Ce sont aussi sept rois
et les cinq sont tombés, et l'un et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure pour un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est au nombre de sept, mais elle tend à sa ruine. Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore commencé à régner, mais ils recevront autorité comme roi en même temps avec la bête, pour 1 heure. Ils ont un même dessein, et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues sur la bête haïront la prostituée, la rendront désolée et la brûleront au feu. Waouh! Donc, désolée et nue, la dépouilleront et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Car Dieu a mis dans leur cœur de faire ce qui lui plaît et de former un même dessein et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Ah, donc, on revient encore sur l'image de la femme. En fait, le déversement, le versement de la septième coupe est le jugement de cette femme que la Bible appelle la grande ville, les villes de nations. Donc, vous voyez bien que Babylone, cette femme, c'est-à-dire l'église apostate, la religion apostate, cette femme va, n'est-ce pas, étendre ses tentacules sur toute la terre, sur l'ensemble des nations. Il n'y aura pas, à l'heure actuelle, il n'y a pas une seule nation qui soit épargnée, de la séduction que cette femme, mes amis, dégage, que cette femme utilise. Toutes les nations ont bu le vin de sa débauche. Toutes les nations. Il n'y a pas une seule nation qui ne soit pas concernée. La preuve, on va vous montrer quelques images. Il y a des pasteurs qui se paganisent. Et si vous allez dans le livre de Jérémie, hein, dans le livre de Jérémie, le prophète en parle dans Jérémie chapitre, à partir du verset chapitre 50, par exemple. Jérémie parle de cette femme. La parole de Yahweh prononça. La parole que Yahweh prononça contre Babylone et contre le pays de Chaldéens par le moyen de Jérémie le prophète. Nous sommes dans Jérémie 50, à partir du verset 1er. Annoncez-le parmi les nations. Entendez-le. Levez une bannière. Entendez-le et ne le cachez pas. Dites à Babylone. Dites, Babylone est prise. Dites, Babylone est prise. Voyez ce pasteur, par exemple. On a préféré cacher les images pour ne pas faire leur publicité. Voyez ce pasteur. Il a un collet clérical. Je ne dis pas que tous ceux qui portent les collets cléricaux sont du diable. Il y en a qui le font par ignorance, alors qu'ils aiment le Seigneur. Mais malheureusement pour eux, ils portent un habit complètement religieux, un habit qui a été carrément inspiré aux hommes par Lucifer, par l'ennemi. Parce que ni Jésus ni les apôtres n'ont porté un habit spécifique. C'est un comportement que l'on trouve dans la religion. Regardez ici, vous avez une image d'une église évangélique, soi-disant, qui pratiquent l'ordination, et tous les gens qui prient pour les ordonner sont habillés en blanc. Ça sert à quoi? Tout ça, c'est complètement religieux, complètement charnel. Voilà. Donc vous avez ici une église soi-disant évangélique. Regardez leurs habits, mes amis, leurs vêtements sacerdotaux, comme l'église catholique. On va d'abord vous montrer les images des églises évangéliques et ensuite on va vous montrer les images des prêtres catholiques pour vous montrer que, mes amis, beaucoup des pasteurs évangéliques ont rejoint la femme dont il est question ici. Voyez? Et là, nous avons toujours, je crois, qu'un pasteur évangélique. Hein? Regardez bien, on croirait un prêtre catholique, donc un pasteur évangélique, qui a le crucifix là, et complètement charnel, avec sa soutane, et comme les catholiques, pourtant, c'est des gens qui se disent évangéliques, hein, chrétiens des églises de réveil, églises évangéliques. Donc, vous allez vous rendre compte que ces pasteurs-là, comme celui-ci, avec son collet clérical, ils ont rejoint la femme dont il est question dans Apocalypse 17, la femme qui sera jugée par le Seigneur. Ils ont rejoint cette femme, ils ont rejoint son habit, sa manière de s'habiller, de se comporter.
C'est elle qui leur a inspiré cela. Là, nous sommes toujours dans une église soi-disant évangélique, hein, des chrétiens évangéliques, des chrétiens des églises pentecôtistes, églises baptistes, peu importe, tout est mélangé, ils sont tous mélangés. Et ils sont, mes amis, habillés comme des prêtres catholiques. Il n'y a plus de différence aujourd'hui. Et parmi ces pasteurs qui s'habillent comme ça, certains ont pendant des années décrié, hein, ce type de vêtements, décrié ce comportement complètement religieux. Et là, pareil, on continue toujours dans la même optique, hein, même vision, même message, c'est-à-dire des pasteurs évangéliques, des pasteurs des églises dites de réveil qui ont rejoint par leur manière de s'habiller, aussi de fonctionner. Ils ont rejoint l'église catholique romaine. La grande femme, la femme qui a, mes amis, la royauté sur, l'autorité sur les nations. Regardez. Et qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes, peu importe leurs origines, ils sont tous atteints par les mêmes syndromes spirituels, c'est-à-dire l'esprit de Babylone. Ils ont bu, hein, le vin de sa débauche. Et on continue. Maintenant, on va montrer un peu les images des prélats catholiques pour que vous compreniez que ben, les gens, ces pasteurs, ont rejoint l'Église romaine. C'est pour cela, chrétiens, sortez de tous ces milieux-là. Sortez de tout ça. Voilà, je ne dis pas qu'ils sont tous méchants, attention, ce n'est pas mon message. Je ne dis pas qu'il faut leur manquer du respect, mais je vais simplement vous montrer que le Seigneur n'est pas dans tout ce qui est vêtements. Il n'est pas dans dans les apparences. Et Dieu n'est pas dans tout ça, mes amis. Dieu veut la simplicité. Voilà. Et Babylone, on nous dit, Jérémie 50 sera jugé, n'est-ce pas? Sera jugé dans Jérémie chapitre 50, verset, à partir du verset 8, Jérémie 50, verset 8, Dieu dit, fuyez hors de Babylone et sortez du pays de Chaldéens et soyez comme des boucs qui vont devant le troupeau. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du nord qui se rangeront en bataille contre elle, de sorte qu'elle sera prise. Voilà, et Dieu demande à son peuple de sortir, hein, de sortir, de sortir. Complètement. Et puis, dans Jérémie, toujours, chapitre 50, au verset 39, Dieu dit, c'est pourquoi les bêtes sauvages des déserts y habiteront, et les chacals et les autruches y habiteront aussi. Elle ne sera plus jamais habitée, et on n'y demeurera plus. Plus jamais. Voilà, donc Dieu dit que bah, Babylone deviendra une habitation ou un repaire de démons. Et là, nous avons, je crois, une image d'un prêtre catholique. Hein. Voilà, donc vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Voilà. Donc, c'est la même chose au jour d'aujourd'hui. C'est devenu pareil, c'est la même chose. Et voilà. Et nous sommes dans Jérémie toujours 50. Jérémie, chapitre. 50 et non 51 et nous lirons le verset 6. Dieu dit ceci: fuyez hors de Babylone et que chacun sauve sa vie. Il est question de fuir Babylone et de se sauver. Donc on met pas les images comme j'avais dit pour ne pas faire la pub de ces gens. Et il est question de se sauver de Babylone pour sauver sa vie, mes amis. Ne soyez point exterminés dans son iniquité. Car c'est le temps de la vengeance de Yahweh. Il lui rend ce qu'elle a mérité. Babylone était comme une coupe d'or dans la main de Yahweh, enivrant toute la terre. Babylone était comme une coupe d'or dans la main de Yahweh, enivrant toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont devenues insensées. Babylone est tombée en un instant, elle est brisée, hurlée sur elle. Prenez du baume pour sa douleur, peut-être qu'elle guérira. Voilà, nous avons pansé Babylone, mais elle n'est pas guérie. Voilà, donc Dieu dit à son peuple, dans Jérémie 51, versets 6 à 8, Dieu dit à son peuple de sortir de Babylone pour se sauver. Chrétiens, c'est l'heure de sortir de vos églises où Christ n'est pas glorifié. C'est l'heure de sortir de tous ces endroits-là où l'évangile n'est pas vécu. C'est l'heure. Pourquoi? Parce qu'il est question de votre salut. Il est question de votre éternité. Il est question de votre vie personnelle. Et avec l'éternité, mes amis, on ne badine pas, on ne joue pas.
Et parce que le Seigneur veut juger, et le Seigneur va juger nos vies, hein, donc nous allons être jugés. Et voyez que Babylone, dans Jérémie, dans Ésaïe 46 par exemple, dans Babylone, on trouve des divinités terribles, hein. Par exemple, dans Jérémie 46, dans Ésaïe 46, pardon, Ésaïe 46, verset 1er, on nous dit Bel s'incline. Bel s'incline sur ses genoux. Nébo est renversé. Bel s'incline sur ses genoux. Nébo est renversé. Donc, on trouve ces deux divinités, par exemple, dans Babylone. On trouve Bel. Bel, dont la racine est Baal. Donc, on trouve dans Babylone Baal, qui était le dieu protecteur de la ville de Babylone. Voilà. Donc, Bel, Baal était le protecteur de la ville. Et on trouve aussi Nébo. Nébo, rappelez-vous bien que le roi le plus connu, le roi le plus connu chez les Babyloniens, c'était Nébuchadnezzar, hein, Nébuchadnezzar. Alors Nébuchadnezzar, hein, son nom signifie Nébu ou Nébu protège. Et qui était Nébu ou Nébu ou Nébo? Eh bien Nébo, selon les Écritures, était un prophète ou encore une divinité de Babylone. Et son rôle était quoi? C'était quoi son rôle? Cette divinité, c'est en fait un démon. Selon les Babyloniens, Nébo veillait sur l'enseignement et les lettres. Et Nébo correspond au grec Hermès et au latin Mercure. Voyez? Donc, et Nébo était beaucoup aussi, était très adoré aussi, hein, chez les Babyloniens. Et donc, il y avait Baal, il y avait Nébo, il y avait Marduk, hein, plein, plein de divinités. Et d'ailleurs, on voit dans Daniel chapitre 1er, quand le roi Nébuchadnezzar une fois qu'il a détruit Jérusalem, il a pris les ustensiles du temple et il les a mis dans le temple de son Dieu. Vous vous rendez compte? Donc la guerre entre Babylone et Jérusalem était avant tout une guerre spirituelle. Et comme Jérusalem était dans la désobéissance, eh ben Dieu l'a abandonnée et Babylone l'a détruite. Eh bien, mes amis, dans les nations, selon la Bible, il y a seulement, dans le monde, il y a seulement deux villes. Il y a Jérusalem, hein, Jérusalem, la ville du grand roi, et il y a Babylone. Lorsque Jérusalem était à son apogée, Babylone était détruite. Lorsque Babylone était à son apogée, Jérusalem était détruite. Ces deux villes ne pouvaient pas cohabiter. Il y en a une forcément qui régnait, qui dominait, qui était élevée, et l'autre qui était par terre. Et présentement, mes amis, la Jérusalem d'en bas est par terre, elle est foulée aux pieds par les nations, et c'est Babylone qui règne, c'est Babylone qui domine. Babylone, c'est, mes amis, cette femme qui séduit les gens, et avec toutes ces divinités qui travaillent avec elle, l'esprit de l'air, d'abord, dont on a parlé, dont parle Paul dans Éphésiens chapitre 2. Et dans Babylone, on trouve... Et il y a plusieurs divinités. On trouve par exemple le dieu Mammon, le dieu de l'argent. Ah, et on va voir, regardez dans Apocalypse chapitre, et on continue dans les images, hein, regardez-moi ces prélats. Ils sont là, tranquillement, en soutane, en train de fumer. Ils sont en train de, voilà, fumer quelques clopes, quelques cigarettes. Il n'y a pas de souci, hein, pas de problème, normal. Oh Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Et Apocalypse chapitre 18, 17, 18 maintenant, ça c'est la suite. Hein. Voyez le chapitre 16, le chapitre 17, le chapitre 18 hein, parlent de la même chose. Hein. Donc surtout à partir du verset 12 du chapitre, à partir du verset 17 du chapitre 16, jusqu'à la fin du chapitre 18, nous avons le jugement de Babylone. Regardez ce que la parole nous dit dans le chapitre 18 d'Apocalypse. Après ces choses, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria avec force à haute voix et il dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repaire de tout esprit impur et le repaire de tout oiseau impur et détestable. Car toutes les nations ont bu du vin de sa prostitution effrénée. Et les rois de la terre ont commis la fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe.
Alors, on va nous trouver les images des gens qui vendent leurs reins pour de l'argent. Hein, les informations, vous allez voir ce qui se passe, mes amis. Et les gens qui vendent leurs organes pour de l'argent. On va nous trouver leurs images là. Et qu'on continue dans Apocalypse 18, verset 3. Car toutes les nations ont bu du vin de sa prostitution effrénée, et les rois de la terre ont commis la fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe. On nous parle des marchands de la terre. Les marchands. Et qu'est-ce que l'on voit dans les Écritures par rapport aux marchands? Allons voir, mes amis, dans Jean, chapitre 2. On va voir ces marchands-là d'abord. Il y en a plein. D'abord, je vais vous lire Zacharie 14. On nous parle des marchands de la terre. Babylone est remplie de marchands. Regardez bien. Zacharie chapitre 14, verset 12. Verset 21. Toute chaudière qui sera à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à Yahweh des armées. Et tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de Yahweh des armées en ce jour-là. Il n'y aura plus de marchands. Donc ça veut dire que présentement, il y a des marchands dans la maison de Dieu. Babylone, c'est aussi le commerce. Voilà, c'est le commerce. D'accord? C'est le commerce. Je ne cesse de le répéter depuis des années. Et on va voir ce qui se passe justement dans le livre de Jean, chapitre 2. Seigneur, sauve-nous. Jean chapitre 2 à partir du verset 13. Car la Pâque des Juifs était proche, c'est pourquoi Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet avec des petites cordes, il les chassa tous du temple avec les brebis et les bœufs. Et il dispersa la monnaie de changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez ces choses d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Vous vous rendez compte, mes amis? Une maison, hein, donc de marché ou encore littéralement une maison de marchandises. Voilà, une maison de marchandises. Et c'est terrible de voir à quel point, mes amis, nos églises d'aujourd'hui, pour la plupart, sont remplies de marchands. Allez dans une église où les Bibles sont vendues. Dites-leur simplement que vous n'avez pas l'argent, vous aimeriez une Bible. Et vous allez voir, vous allez comprendre. Allez à l'entrée d'une salle où se déroule un concert dit chrétien, dont l'entrée est payante. Dites-leur que vous êtes au chômage, vous n'avez pas l'argent, et vous n'avez même pas de quoi vous acheter du pain, hein, à manger. Dites-leur que vous aimeriez rentrer et adorer le Seigneur avec tous ses frères et sœurs. Et vous allez voir que vous ne pourrez pas rentrer parce que on vous refusera l'entrée parce que vous n'avez pas l'argent. Donc, tout ça là, mes amis, c'est Babylone. Le Seigneur a dit quoi? Vous l'avez reçu gratuitement en parlant du pouvoir qu'il nous a donné pour chasser les démons, pour enseigner. Il dit, vous l'avez reçu gratuitement. Donnez-le gratuitement. Voilà. Alors regardez ici cet homme qui vend, hein, qui vend, je crois qu'il vend ses reins, hein, il vend ses reins et voilà. Donc il propose, voilà. Et ceux qui ont besoin d'acheter un organe, ben ils n'ont qu'à aller le voir. Ils vont aller voir un docteur, un médecin avec lequel tous ces gens travaillent. Eh ben on va lui prélever ses organes. Et moyennant quelques billets de banque. Voyez, et on nous dit que les marchands, le marchand du temple, eh ben, vont se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ils vous vendent pour certains Africains, quand ils vont voir leurs pasteurs, soi-disant, des pasteurs africains ou européens ou pas d'autres, hein, il faut l'offrande du prophète. Hein, on ne peut pas, selon eux, aller voir l'homme de Dieu les mains vides. Hein, non seulement qu'ils vous volent avec la dîme qu'ils vous exigent, eux-mêmes ils ne la payent jamais, alors que la dîme c'était la loi, il ne faut plus la payer. Ils vous demandent en plus de cela des offrandes qu'on appelle l'offrande du prophète, l'offrande d'action de grâce, alors que l'offrande d'action de grâce c'était la loi de Moïse que le Seigneur a accomplie. Ils vous demandent ensuite d'aller faire des prêts
bancaires pour acheter leurs bâtiments, pour embellir leurs cuisines, les cuisines de leur, les cuisines de leurs bâtiments, moyennant parfois qui coûtent 15 000 euros, 20 000 euros, hein, ils vous demandent de leur donner en plus, de leur octroyer un salaire parce qu'ils ont des prêts, parce qu'ils ont des crédits et à rembourser sur 10 ans, sur 20 ans pour leur propre maison, leur véhicule. Et ensuite, ils vous demandent de faire des prêts pour rembourser leur crédit à eux ou pour acheter le bâtiment de Dieu, soi-disant. Tout ça, là, c'est la confusion totale. C'est la confusion. Et donc, on assiste actuellement à un commerce, mes amis, qui prospère, hein, dans la majorité des églises, mes amis, aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis. Et où des mouchoirs sont vendus par des prédicateurs très connus, hein, des mouchoirs et des tasses de thé avec leur effigie, tout ça. Et voilà, nous avons par exemple ici la vente d'organes en Iran. On va montrer tout ça. Donc, pendant que vous allez trouver aussi des images des ventes de mouchoirs, des ventes d'objets chrétiens, tout ce qui est l'huile d'Israël, tout ça. Et tout ça là, on va trouver nous tout ça, mes amis. On va montrer aux chrétiens à quel point leurs églises sont devenues des marchés, alors que le Seigneur a chassé les marchands du temple. Et aujourd'hui, quand on en parle, les gens disent non, vous êtes méchants, il n'y a pas l'amour, tout ça. Eh ben, c'est pas mon problème, mes amis. Si moi je dois parler, crier, vous voulez être parmi les acheteurs de ces les acheteurs qui vont enrichir ces vendeurs, c'est votre problème. Le Seigneur nous jugera tous un jour. Et voilà. En tout cas, le Seigneur nous dit dans Apocalypse 18, au verset 4, que les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe. Ça ne vous rappelle rien, mes amis? Ça ne vous rappelle pas une église là, l'église de Laodicée? Regardez bien, l'église de Laodicée, dans Apocalypse 3, 14, écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et d'oindre tes yeux de collyre afin que tu vois. Voilà, donc ici, là, ces marchands-là, que l'on voit aujourd'hui, ces bishops, ces pasteurs, ces apôtres, ces prophètes, mes amis, qui promettent des guérisons, des miracles, moyennant quelques billets de banque, et qui brisent des foyers, des couples pour se faire de l'argent, qui vont se servir des femmes d'autrui pour les transformer en secrétaires. Hein, des femmes qui ne voient plus leur mari, qui ne servent plus leur mari, des maris qui ne servent plus leur femme, qui ne voient plus leur femme, des enfants qui ne voient plus les parents, des parents qui ne voient plus les enfants parce qu'ils sont au service de l'homme, n'est-ce pas? Toutes ces églises-là, tous ces marchands-là, qui vous disent qu'il faut avoir trois boulots, trois emplois pour gagner beaucoup d'argent, pour influencer le monde matériellement, financièrement. Toutes ces prédications de l'évangile de la prospérité, ça vient de l'enfer. Tous ces gens-là vous prêchent un autre Jésus-Christ, un autre Jésus. Voilà, donc là, nous avons des images. Des gens à qui on a prélevé des reins, qui ont vendu leurs reins. Mais là, on ne va pas encore là-dessus. Si on peut d'abord nous trouver des images des ventes de produits, tout ça là, et des huiles d'onction, des choses comme ça. Il y a des huiles qui viennent d'Israël. Et c'est la confusion totale. Hein, la confusion totale. Donc, vous voyez, Babylone ici, c'est vraiment le commerce. L'accent est mis sur le commerce. Et aussi bien dans le monde où on voit des gens qui vendent leurs organes pour se faire de l'argent, que ce soit les yeux, que ce soit les reins, tout ça là, et d'autres dans les églises aujourd'hui qui sont censés révéler la parole aux gens, annoncer la vérité aux gens, ben ils préfèrent devenir des véritables commerçants. Ces pasteurs deviennent des commerçants. Ils vont prêcher ici et là, s'attendant à ce qu'on leur donne une enveloppe. Ils s'invitent entre eux pour recevoir des enveloppes. Donc ils ne prêchent plus pour sauver les vies, ils ne prêchent plus pour amener les gens au ciel, mais ils prêchent pour se faire de l'argent. Ils prêchent pour s'enrichir. Ils prêchent pour, mes amis, se faire de l'argent. Et ils deviennent de plus en plus riches et vous, de plus en plus pauvres. Alors nous avons ici une boutique, hein, carrément, hein, donc boutique. Et qu'est-ce que l'on voit? Huile d'onction de Jérusalem, hein, et le parfum de nard, hein, selon Cantique de Cantique. Combien ça coûte là, mes amis, cette petite, mes amis, ça coûte combien là? Voilà, ben, 15 euros. Hein, 10 000 litres. 10 millilitres.
Oh, ben, quelle confusion. 10 millilitres, moi, je pense que 10 millilitres, ça fait quand même énorme. Et 10 millilitres, 15 euros. Mais vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Et ils osent en plus décrire hein, cette huile, l'huile d'onction faite d'huile d'olive de Jérusalem avec nard et extrait de fleurs du pays de la Bible. S'il vous plaît, ne bougez pas pendant que je lis. Et voilà, c'est la confusion, c'est de l'arnaque, c'est du vol. Voilà. Ça s'appelle du vol. C'est tout simplement du vol. Il n'y a pas un autre mot. Je suis désolé. Mais ce sont des voleurs. Voilà. Voilà. Donc, en plus, il y a eu une rupture des stocks hein, pour vous montrer que les chrétiens sont tellement une race qui aime se faire tondre. C'est quand même pas possible de voir des soi-disant chrétiens qui ont l'esprit de Dieu et qui ne discernent pas qu'ils sont en train de se faire tondre. Mes amis, au lieu d'envoyer ces 15 euros ou de donner ça aux SDF français qui sont dehors, à ces femmes et ces hommes qui n'ont pas à manger, qui dorment dehors, qui meurent parce qu'ils n'ont pas à manger, ils préfèrent aller enrichir ces voleurs, enrichir ces gens qui, n'est-ce pas, vont trouver une combine, qui ont trouvé une combine pour se faire de l'argent, hein, 10 millilitres et 15 euros, 14 euros, et voilà, c'est huile d'onction parfumée avec la myrrhe, tout ça là, c'est la conf mais la confusion, hein, la confusion totale. Voilà. Donc, voyez bien que les marchands se sont enrichis. Comment voulez-vous que Dieu n'intervienne pas? Comment voulez-vous que Dieu ne juge pas? Et quand nous parlons, oh non, il n'y a pas l'amour, ils sont durs, ils se croient les meilleurs. Non, moi je ne dis pas aux gens, venez prier chez moi. Je n'ai pas d'église à recommander aux gens. Nous recommandons aux gens l'évangile. Nous disons aux gens, l'heure est arrivée où la vérité doit éclater. On doit dire ces choses-là, partager ces choses-là parce qu'il y en a assez. La boutique chrétienne. Voilà, boutique chrétienne, et ben là, on trouve de tout, hein. Les t-shirts, hein. Voilà. Donc, et on se sert du nom de Jésus-Christ pour se faire de l'argent, hein. Donc, on peut y aller là. Là, c'est vraiment, c'est la confusion totale, hein. Totale. Donc, chrétien, attendez, attendez. Alors, on se sert du nom de Dieu pour se faire de l'argent. On crée des marques, hein, autour de notre Jésus, et tac, on se fait des sous. On y va. On y va. C'est normal. Tout ça, c'est normal. Ouais, c'est notre génération. Tasse avec le nom de Jésus, hein, et voilà. On transforme le nom de Jésus en un produit marketing. Voilà. Honnêtement, chrétien. Honnêtement. Donc, moi, je ne sais plus, je ne sais pas. Et c'est des choses qui devaient arriver, et c'est arrivé. Hein, et la parole est claire. Et au verset 4 de Apocalypse, Dieu dit, puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés et que vous n'ayez pas de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Hein, ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui selon ce qu'elle vous a fait et payez-lui au double selon ses œuvres. Et dans la même coupe où elle vous a versé à boire, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuils. Car elle dit en son cœur, je siège en reine, je ne suis pas veuve et je ne ferai pas de deuil. C'est pourquoi ces plaies qui sont la mort. Le deuil et la famine viendront en un même jour et elle sera entièrement brûlée au feu, car le Seigneur Dieu qui la jugera est puissant. Et les rois de la terre qui ont commis la fornication avec elle et qui ont vécu dans le luxe la pleureront et mèneront deuil sur elle en se frappant la poitrine quand ils verront la fumée de son embrasement. Et ils se tiendront éloignés de la crainte de son tourment et diront, malheur, malheur, Babylone la grande, cette ville si puissante, comment ta condamnation est-elle venue en une seule heure? Les marchands de la terre aussi pleureront. Bien sûr, vous allez pleurer. Pour l'instant, continuez à vous enrichir en se servant du nom de Yeshua, en vendant des vêtements, en utilisant comme marque Jésus. Alors que ce nom doit être utilisé pour évangéliser, pour sauver des vies.
Vous, c'est pour vous faire de l'argent. Vous allez dire non, c'est pour évangéliser, c'est pour gagner de l'argent, pour faire avancer le royaume. Attendez, la fin ne justifie pas les moyens avec Dieu. Nous devons évangéliser suivant les règles que Dieu nous a laissées. D'accord? Suivant la parole, selon la parole et non selon nos mentalités. Voilà. Nos coutumes, nos traditions, nos cultures. Et Dieu dit, les marchands de la terre aussi vont pleurer et seront dans le deuil à cause d'elle parce que plus personne n'achète leurs marchandises. Voilà, plus personne ne va acheter vos marchandises là. Vous allez voir. Bientôt, personne ne va les acheter. Voilà. Qui sont des marchandises d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois odoriférants. On nous parle de bois odoriférants. Donc, on nous parle de produits, hein, de tout ce qui, de parfums, hein. Et c'est ce que ces hommes vendent, hein, de l'huile parfumée. Vous voyez, la Bible dit vrai. Dieu dit vrai dans sa parole, mes amis. Et de toute espèce de bois de senteur, d'ivoire et de toute espèce de vaisseau de bois très précieux, d'airain et de fer et de marbre, du cinnamome, des parfums, des essences, des parfums. Vous avez vu, non? C'est ce qu'ils vendent dans ces églises. C'est ce qu'ils vendent sur ces sites internet soi-disant chrétiens. Des parfums, hein? D'airain, de fer, de marbre, du cinnamome, des parfums, des essences, de l'encens, du vin, de l'huile. Ils vendent quoi? Montrez-nous l'huile là, mes amis. On parle de l'huile, hein? Vous avez vu? Ils vendent des huiles saintes, hein? L'huile parfumée. Et les Écritures nous disent quoi ici dans Apocalypse 18? Ils vendent même de l'huile, hein? De la fine fleur de farine, du blé, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chars, des esclaves et des âmes d'or. Hein, des âmes d'hommes, pardon, des âmes d'hommes. Eh ben, les âmes d'hommes, on voit des âmes qui sont vendues. Hein, donc, les âmes d'hommes. Eh ben, ils vendent quoi? Des esclaves et des âmes d'hommes. Eh ben, les esclaves, on trouve beaucoup d'esclaves dans ces églises qui sont au service du pasteur plutôt que d'être au service du Seigneur. Hein, au lieu d'être au service du Seigneur, ils préfèrent être au service des hommes. Voilà. Et c'est grave. Tout est écrit. Tout est écrit. Vous avez vu? L'huile sainte d'onction, 25 millilitres. Hein? Pourquoi? Protection, dégagement, acte de purification pour venir en aide aux malades en application lors d'un massage. Hein? Ça, c'est un site chrétien? Voilà, un soi-disant site chrétien. Vous vous rendez compte? Une huile qui doit protéger les gens. C'est plus Jésus-Christ qui protège les gens selon eux, mais c'est une huile. Oh, Dieu sauve-nous. Voilà. Car les fruits du désir de ton âme se sont éloignés de toi, et toutes les choses délicates et excellentes sont perdues pour toi, et dorénavant tu ne les trouveras plus. Les marchands, dis-je, de ces choses qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés de la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate, qui était parée d'or, ornée de pierres précieuses et de perles, comment en une seule heure tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes aussi, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, tous les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tiendront éloignés et en voyant la fumée de son embrasement, ils crieront en disant, quelle ville était semblable à cette grande ville? Ils jetteront de la poussière sur leur tête, pleurant et menant deuil, ils crieront en disant, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence, tous ceux qui ont des navires sur la mer, comment a-t-elle été réduite en un désert en une seule heure? Ô ciel, réjouis-toi à cause d'elle, et vous aussi, saints, apôtres et prophètes, réjouissez-vous, car Dieu l'a punie à cause de vous. Alors un ange d'une grande force prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec impétuosité Babylone, cette grande ville, elle ne sera plus retrouvée. Et l'on n'entendra plus, hein, l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, parce qu'il y a beaucoup de musique, hein, vous avez vu les musiciens chrétiens, soi-disant d'aujourd'hui, mes amis. C'est soi-disant chrétiens qui chantent, qui vendent leurs albums. Hein? Ces femmes qui chantent, mes amis, avec leurs maris, qui sont de véritables Jézabel. Hein? Qui chantent à leur propre gloire, qui mettent leurs photos sur leurs affiches, qui se glorifient eux-mêmes. Hein? Et qui se mélangent avec d'autres musiciens qui sont complètement paganisés, des gens qui se mettent à fumer, à boire. Et prendre leur guitare après avoir commis l'adultère, l'impudicité, et pour aller chanter. Et mes amis, vous communiquant ainsi des démons. Hein?
C'est la confusion totale. La parole nous dit qu'il n'y aura plus ces musiciens-là. Cette musique est rock, soi-disant chrétien. Cette musique est rap, soi-disant chrétien. C'est la confusion totale. Totale, mais c'est, il n'y a plus rien. C'est la confusion. Hein, il y a du fumigène lors des concerts de ces hommes. Hein, des jeux de lumière. Il y a même comment on appelle ça, des concours de musiciens là pour avoir des coupes, pour avoir des, comment ils appellent ça, les awards, je sais pas quoi là. Voilà. C'est la confusion, mais c'est la confusion totale. C'est ça, Babylone. Babylone signifie confusion par le mélange. Voilà. Et Babylone est citée pour la première fois dans les Écritures, dans Genèse 10. Et on nous dit que c'est Némorod qui régnait sur cette, mes amis, cette grande nation. Hein, donc c'était des cités-États, hein, des petits États qui avaient qui étaient fédérés, hein, qui avaient adhéré à la vision de cet homme, Némorod, dont le nom signifie rebelle, rebelle ou encore rébellion. Donc, vous voyez bien que Babylone, c'est une ville rebelle. C'est la rébellion contre Dieu. Vous avez vu ces musiciens de gospel avec soutane, tout ça. Tout ça, là, c'est Babylone, tout ça, là, mes amis. Ça peut vous choquer, mais je suis désolé, mais c'est Babylone. C'est complètement babylonisé. Complètement mélangé. Hein? Gospel pour notre mariage. Donc, vous pouvez inviter, les inviter, ils vont venir, vous allez payer. C'est la confusion totale. Voyez, que ce soit pour un concert ou une cérémonie de mariage, messe ou bénédiction, et même un baptême en gospel, ces choristes vous plongent au cœur de négro spirituel et du gospel des églises noires américaines d'Harlem avec des superbes voix. Mais ben oui, mais l'esprit n'est pas là. Parce que quand on nous parle du négro spirituel, mes amis, c'était les pleurs, les lamentations des esclaves noirs aux États-Unis. Et voilà, c'est la confusion totale. Totale. Voilà. Donc, voilà. Donc, écoutez, moi, je suis désolé, mais vous me direz, mais il se prend pour qui ce monsieur? Je suis désolé, mais je ne condamne personne. On condamne les œuvres, les pratiques. Hein, nous devons vous dire ces choses-là parce que c'est la vérité. Regardez-moi la vente d'albums. Regardez-moi ces albums vendus. Donnez-moi un seul verset dans la Bible où vous avez vu Pierre vendre son enseignement. Où vous avez vu, comment dire, David vendre ses psaumes. Vous me direz, mais oui, mais comment on va faire pour produire d'autres albums? Eh bien, nous, comment on fait pour produire pour dupliquer des Bibles? Pour éditer les Bibles. Comment nous faisons? Dieu donne aux gens les moyens pour pouvoir soutenir son œuvre. Hein? On a reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Vous voyez, Babylone, c'est le marchand. Les églises sont devenues des marchands. Vous allez dans chaque bâtiment d'église pratiquement, hein, dans beaucoup de bâtiments d'église, vous avez un petit coin où ils ont mis leur bibliothèque, hein, leur librairie, et il faut aller acheter. Dès que le pasteur finit de prêcher, eh bien, vous avez tout de suite des CD, des DVD qui sont reproduits et on vous les vend. Voilà, vous avez des coffrets, hein, on vous propose même des, il y a même des coffrets à crédit, hein, on vous fait même des rabais, tout ça là, c'est tout ça là, tout ça là, tout ce que vous voyez là, tout ça là, c'est la confusion totale, c'est le monde, tout ça là, Dieu n'est pas dans tout ça là, c'est le monde, voilà, je suis désolé mais c'est comme ça, c'est le monde, voilà, donc voilà, il y a tellement de choses qui nous révoltent, qui nous prouvent, qui nous montrent que le Seigneur n'est plus loin, qu'il faut nous préparer, il faut se préparer, mes amis, à son retour. Voilà, donc quand on voit tous ces DVD, voilà, regardez-moi le CD là, 19 euros et quelques là. Hein? Ce CD là, 19 euros. Et ceux qui n'ont pas l'argent, comment ils vont faire? Il y a même des musiciens païens, hein? Ils n'ont pas Jésus, mais parfois, ils proposent leur chant gratuitement. Hein? C'est la confusion totale. C'est le monde. C'est vraiment le commerce. Est-ce que vous pouvez vous imaginer Jésus-Christ en train de vendre les chants qu'il a chantés avec ses disciples dans le Gethsémané? Parce qu'il a chanté le Seigneur. Est-ce que vous verrez le Seigneur en train de vendre ses CD, ses DVD? En fait, ce n'est pas l'Esprit de Christ qui anime tout ce monde-là. Regardez-moi ce pendentif-là. 42 euros. Hein? 42 euros et collier messianique en argent et tout ça là, c'est voilà. Regardez-moi le chalet là-bas de prière, le chalet de prière. Hein, c'est écrit où, mes amis, dans les écrits de Paul, Pierre, Jacques et Jean, qu'il faut avoir un chalet, une espèce de châle, pardon. Hein? Châle de prière, c'est écrit où qu'il faut avoir tout ça là. Hein, c'est pas un chalet, mais c'est plutôt châle. Et voilà, c'est.
C'est quand même c'est la confusion totale. Hein? Tout ça là, il n'y a pas de châle de prière dans les Écritures. Il n'y a pas tout ça là. Tout ça, ça vient de. Tout ça là, c'est Babylone. Tout ça, c'est cette femme là qui inspire ces choses aux gens. Hein? Crème d'onction, rose de Saron, huile d'onction de Jérusalem, lys, tout ça là. Huile d'onction parfumée à la myrrhe, huile d'onction de Jérusalem, nard. Tout ça là, c'est. Oh là là, oh là là, Seigneur, sauve-nous. Alors, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. Hein, il y a tellement de choses qu'on peut vous montrer là. On est complètement, mes amis, mais complètement là dans la confusion là. C'est la confusion totale dans laquelle le monde est plongé. Et les églises, où sont les chrétiens? Où sont les véritables enfants du Seigneur? Il y en a, bien sûr. Il y en a beaucoup. Vous êtes là. Vous qui gémissez face à tout ce grand commerce là qui prend de l'ampleur dans nos églises. C'est la confusion, c'est la confusion. Ouais, les mugs là, les mugs. Et ça veut dire que si vous buvez votre thé là-dedans, là, vous serez, hein, selon eux, vous serez purifiés, hein, parce que ça porte des versets bibliques. Tout ça là, c'est la. Waouh. Alors là, c'est. Et ça se vend hein, dans les assemblées, dans les sites soi-disant chrétiens. Et voilà. Donc bon, ben, que Dieu nous garde en tout cas là. Séminaire payant, on peut retrouver ça. Hein, séminaire payant, séminaire chrétien payant. Donc ça encore. Ça aussi, là, c'est des choses qui nous révoltent énormément. Hein? Séminaires payants, conférences payantes et formations bibliques payantes. Hein? Mais c'est la confusion. Mais je ne sais pas quelle Bible ces gens lisent. Mais c'est la confusion totale. Vous comprenez, mes amis, pourquoi Dieu va juger Babylone? Parce que c'est l'église de Laodicée. Hein? C'est l'église de Laodicée. Et vous qui prêchez la vérité aujourd'hui, que vous soyez en Europe, en Afrique, aux États-Unis, partout, vous qui êtes prédicateurs, ne vous mélangez plus avec ces pasteurs qui viennent à vos programmes, qui vont s'asseoir devant. Beaucoup sont des impudiques, des voleurs. Ne vous mélangez plus avec ces sites internet, soi-disant chrétiens, qui font l'apologie de Babylone, de l'enrichissement. Moyennant, je sais pas, la vente d'objets religieux, tout ça, ne vous mettez plus ensemble avec eux. La parole dit dans Psaume chapitre 1er, béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Yahweh et qui médite sa loi nuit et jour. La parole est claire, les vrais enfants de Dieu sont solitaires. Sortons de Babylone. Il y a 16 ans, je me rappelle, je dormais, j'ai eu une vision dans laquelle je voyais un tableau devant moi et dessus il y avait écrit Apocalypse 18:4. Et quand je me suis réveillé, j'ai pris ma Bible et Dieu disait, sortez du milieu de Babylone, mon peuple. Il est question de votre éternité. Il est question de votre vie éternelle. Il est question de votre salut, du salut de vos enfants, de votre femme, de vos maris. Il est l'heure que chaque famille développe un culte familial. Il est l'heure que que les parents mettent ensemble des lieux de prière chez vous, hein, chez eux, pour prier avec vos femmes, vos maris. Voilà. Donc là, c'est une fiche pour une école biblique internationale qu'il faut remplir. Donc on va pas faire la pub de cette école. Rapidement, voilà. Et voilà, c'est combien là, mes amis? Hein, voilà. Et ben ça, regardez-moi ça là. Regardez-moi ça. 560 euros. Pour les 8 modules. Hein? Vous rendez compte de ce qui se passe dans ce bas monde, là, mes amis, là? Vous vous rendez compte? Les frais de dossier, 40 euros. Hein? Non remboursables à partir de 3 modules. Hein? Oh là là, on vous dit vous pouvez payer en espèces, en chèque, en carte bancaire. Tout ça pourquoi? Pour aller apprendre hein, que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous. Pour aller apprendre que Jésus-Christ revient. Hein? Et encore, il parle même pas du retour de Yeshua. Hein? Et pour aller apprendre quoi? Pour aller apprendre. Oh là là, écoutez mes amis, moi je suis vraiment. Alors ça me. Voilà. Hein? Formule diplômante. Hein? Formule diplômante. On comprend même pas ce que ça veut dire, hein? Diplômante. Hein? Voilà. Enfin, on comprend à peu près ce que. Il faut avoir des diplômes. Alors on va montrer les diplômes qu'on leur donne. Hein? Hein? Donc c'est la confusion. Mais c'est la confusion. Mais pourquoi ne sortez-vous pas de ces lieux? Pourquoi laissez-vous vous faire tondre comme ça par ces gens qui, mes amis, soi-disant, annoncent l'évangile alors que l'évangile nous dit que nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Paul nous dit, si nous-mêmes ou un ange
venez vous annoncer un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Et on me racontait la dernière fois que ce pasteur, un des pasteurs ici à Paris, on lui a offert un véhicule de 145 000 euros. Une grosse Mercedes, 145 000 euros. Il en est fier, il en est fier. Oh Seigneur, sauve-nous. Regardez-moi ces chrétiens avec leurs diplômes. Et ils sont fiers. Regardez l'état de cette ville. Regardez l'état de cette maison derrière eux. La pauvreté. Et ils sont fiers d'avoir des diplômes. Hein? D'avoir des diplômes. Qui dans la Bible a eu un diplôme? Qui parmi les apôtres a eu un diplôme? Qui? Qui a, mes amis, montré devant tout le monde son diplôme? Qui? Qui? Avec ses soutanes comme vous le faites, avec vos chapeaux comme ça là. C'est Babylone, c'est la confusion. Mes amis, je ne dis pas que tous ceux qui font ça sont méchants, sont mauvais. Il y en a qui font cela parce qu'ils sont ignorants. Mais je prie que ce message arrive jusqu'à eux et qu'ils soient éclairés pour qu'ils sortent de là. Je ne dis pas qu'il faut leur jeter des pierres. Je ne dis pas qu'il faut les condamner, il faut aller les insulter. C'est pas ça. Voilà pourquoi nous cachons même leur visage. Mais je vous dis simplement, tout ça là, c'est pas dans les Écritures. C'est de l'arnaque. Tout ça là, c'est la confusion. Regardez cet homme avec son diplôme. Hein, c'est écrit bien, c'est bien écrit. Théologie. Qui a suivi la théologie dans la Bible? Qui? Qui? Je sais que ce message vous dérange. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi. C'est pas mon problème. Pasteur, prédicateur, chef d'église, chef des synagogues, patron des entreprises, patron des PME. C'est pas mon problème. Mais on doit vous dire les choses, parce que là, c'est la confusion, qu'on soit africain, qu'on soit antillais, qu'on soit européen, qu'on soit maghrébin, qu'on soit asiatique, indien, qu'on soit pakistanais, qu'on soit, je sais pas, des îles, tout ça là, c'est la confusion totale. C'est Babylone a étendu, a déployé, mes amis, ses serviteurs, a envoyé ses servantes, ses messagers, Babylone telle une espèce de pieuvre qui étend ses tentacules, tout ça, sur toute la terre pour enivrer les hommes avec le vin de sa débauche. Des pasteurs qui ont bien commencé, qui ont bien commencé l'évangile et qui se sont égarés. D'ailleurs, je tiens à nous signaler, Dieu m'a donné une vision sur un musicien chrétien du nom de Patrice Moussoko, qu'on appelle souvent le frère Patrice. Dieu m'a donné une vision, c'est un homme qui est né handicapé. Dieu m'a dit dans la vision de lui dire, tu es né handicapé. Je t'ai nettoyé, je t'ai élevé, maintenant tu t'es égaré, tu m'as abandonné parce que tu es devenu riche. Tu as pris, maintenant tu deviens le président des musiciens congolais. C'est écrit où? Dans quelle Bible on a vu cela? Parmi ces musiciens, tu as des musiciens impudiques qui ont divorcé et qui sont divorcés, remariés. Hein? Tels que Emen Kanou, tels que, il y en a plein. Je ferai une émission sur les abominations dans les églises de la RDC Congo. Bientôt. C'est la confusion. Dieu m'a dit de dire à Patrice Moussoko, hein, le frère Patrice, s'il ne se repent pas, s'il ne sort pas de ce milieu, s'il ne reprend pas son message d'avant, c'est celui de dénoncer le mal. Dieu m'a dit de le dire qu'il allait mourir. Il ne m'a pas dit quand, mais il m'a dit qu'il allait l'enlever. Je l'ai appelé pour lui dire cela. Et je l'annonce aussi ce soir. Il est l'heure que mes amis, les frères et sœurs, les enfants de Dieu se réveillent. Se réveillent. Paul dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, il ne faut pas le recevoir. Aucun apôtre n'a vendu la parole de Dieu. Aucun musicien de la Bible, ni David, ni les enfants de Corée, ni Asaph n'a vendu leur chant. Ni Myriam, la sœur de Moïse. Tout ce que ces gens recevaient, ils les partageaient gratuitement et les frères et sœurs soutenaient l'œuvre que Dieu donnait, confiée à ces hommes et ces femmes. Et c'est ça l'évangile, c'est ça l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. Chrétiens, Babylone, c'est Dieu qui va la juger. C'est pas nous qui allons la juger, c'est Dieu qui va la juger. Nous vous exposons ce qui se passe au sein de nos églises. Pour ceux du dehors, Dieu s'en occupera. Occupons-nous de ce qui se passe dans nos assemblées parce que nous faisons tous honte à Dieu. Nous faisons honte à Dieu. Il est l'heure que nous revenions au pied du Maître. Il est l'heure que nous revenions à la simplicité de l'Évangile, à la gratuité de l'Évangile. Selon Matthieu 10, verset 8, nous avons quelqu'un en ligne, je crois. Il est l'heure. Il est l'heure. Les marchands qui vendent leurs enfants avec la dot, ils se disent chrétiens, ils vont vendre leurs enfants. Et quand on parle de la dot comme étant une pratique, mes amis, qui n'est plus d'actualité,
Les gens sont outrés. Ils osent dire non, il ne faut pas parler de cela. Je parlerai contre la dot parce que ce n'est pas, mes amis, quelque chose que Dieu recommande aujourd'hui. C'était lorsqu'une femme juive était violée qu'il fallait payer une dot pour restaurer son image. Mais tout ça, c'est accompli. Christ, mes amis, nous a déjà rachetés. Tout ça là, vous vendez vos enfants, vous avez de... Dieu vous jugera. Dieu nous jugera, nous tous, mes amis. C'est la confusion totale, totale. Tous ces diplômes ne sont pas reconnus par le Seigneur. Pas du tout. C'est Dieu qui nous qualifie. Ce ne sont pas les hommes qui nous qualifient. C'est Dieu qui juge quand est-ce que nous avons reçu suffisamment une connaissance pour pouvoir le servir et quand est-ce qu'on l'a pas suffisamment reçu. C'est Dieu qui le fait. Oh Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Donc vous pouvez nous appeler si vous voulez partager, témoigner. Mais et le message est clair. Dieu revient. Il est prêt. Il est minuit dans l'horloge de Dieu. Il est en train de revenir. Et le péché atteint des, mes amis, des sommets, des niveaux inégalés. Et là, vous avez des boîtes de nuit chrétiennes. Regardez-moi ça. Boîtes de nuit chrétiennes. Vous vous rendez compte? Regardez-moi comment ces femmes sont habillées. Regardez-moi tout ça là. Et ça se dit chrétien. Regardez, regardez. Voilà. Voilà. Et là, ils disent quoi? Là, on va agrandir un peu là. C'est la confusion, mais la confusion. Et si on enlevait tout ça, regardez, à quoi vous fait penser le mot discothèque? Musique forte, fumée, alcool, sexe, drogue. Oui, c'est vrai que les boîtes de nuit ont plutôt une mauvaise image dans nos milieux. Et si on enlevait tout ça à ces boîtes de nuit et qu'on remplaçait la musique par de la bonne musique chrétienne qui donne envie de danser comme David, ce serait autre chose. C'est ce qu'a fait Grazi Praz aux États-Unis, une discothèque chrétienne qui propose donc aux jeunes une alternative aux boîtes de nuit auxquelles ils sont habitués. Voilà. Grazi Praz, Christian Night Club, du divertissement, pardon, positif avec un message d'espoir. Voilà, c'est la confusion totale. Qu'est-ce que la parole nous dit? Regardez, regardez. Regardez ce que la parole nous dit. Vous allez vous rendre compte à quel point le monde est malade. Ils sont devenus malades. Ils sont devenus malades. Je vous dis, hein, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Verset 15. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et qu'est-ce que la parole nous dit ailleurs encore dans Romains chapitre 12, hein? Romains chapitre 12, qu'est-ce que la parole dit? Regardez. Verset premier, je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas à l'âge présent ou encore au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas. Oh Seigneur, sauve-nous. Au lieu de leur proposer des boîtes de nuit. Proposez-leur plutôt hein, des réunions de prière, d'intercession, de partage, des nuits de prière, de partage. Seigneur, sauve-nous. 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 Et avec tout ça, mes amis, comment voulez-vous que le Seigneur ne juge pas le monde? Comment voulez-vous que le Seigneur ne juge pas la terre? Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. La septième coupe, c'est le jugement de l'Église apostate, de l'Église de Laodicée, de cette Église qui veut construire des grands bâtiments pour avoir quoi? C'est quoi ta vision quand on pose la question au pasteur? Quelle est votre vision? Eh ben, moi, ma vision, certains disent, moi, nous, notre vision, c'est d'avoir la plus grande Église. Ah bon? C'est ça la vision? Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Seigneur, sauve-nous.
Sauve-nous. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, j'ai appelé pour agir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport à la vision pour le frère Patrice, parce que j'avais suivi justement récemment un témoignage d'une dame qui a eu une vision aussi, mais concernant son frère, donc Werrason, comme quoi Dieu en fait demandait à Werrason de se repentir, sinon il allait l'enlever. Et dans la vision, la femme en fait avait en fait été partie parler à Werrason pour lui donner le message. Et c'était en fait quelques jours, quelques temps avant la mort de Papa Wemba, où Dieu montrait que Werrason était sur scène, en fait, il devait jouer son dernier concert et qu'il arrivait, il avait du mal à respirer. Donc c'est comme si Dieu était en train de l'enlever et qu'il fallait absolument que Werrason donne sa vie à Jésus, sinon il allait mourir sur scène. Donc quand Werrason a vu qu'effectivement c'était pas une blague, il a donné sa vie à Jésus et il est monté sur scène et il a commencé à évangéliser toutes les personnes en fait qui étaient venues en fait pour, à la base écouter sa musique païenne. Et là quand j'entends en fait ce que tu dis par rapport à frère Patrice, ben, je pense que c'est vraiment Dieu parce que on entend de la fin où Dieu il est comme au temps de Noé. En fait, les humains, ils n'ont pas reçu l'appel de Dieu. Du coup, c'est les animaux qui sont entrés dans l'arche. Et là, je pense que là, beaucoup de chrétiens vont rester. Et c'est beaucoup de païens, même des musiciens aujourd'hui qu'on dit paganisés, qui vont vraiment donner leur vie à Jésus. C'est vraiment une confirmation, Dieu en veut fait. sauver des vies, c'est son objectif. Et c'est aussi dans cette optique-là que nous travaillons. Et merci que le Seigneur soit béni. Nous prions pour tous ces gens. Et en tout cas, ceux qui n'ont pas encore atteint le point de non-retour, que Dieu se révèle à eux. Amen. Merci. Merci à vous. Voilà, frères et sœurs, merci, que Dieu soit béni. Merci pour votre compréhension, pour vos prières. Le Seigneur revient. Et je vous dis bien, le message, quand il est donné, ce n'est pas pour aller se moquer. Parce que, vous savez, tous, nous allons mourir. Et nous devons nous préparer pour ce jour. Et que chacun se prépare pour que quand ce jour-là viendra, quand ce jour-là viendra, qu'il soit au bon endroit. Voilà. Donc, il n'y a pas une génération dans le passé qui a atteint un tel degré de rébellion vis-à-vis du Seigneur, de paganisation, de mélange, de confusion que la nôtre, que notre génération. C'est une génération perverse et corrompue. Corrompu. Chrétiens, n'oublions pas que le plus important pour nous, c'est le salut de nos âmes, c'est le ciel. Vous qui chantez, vous qui prêchez l'évangile, n'oublions pas que le plus important, c'est le salut, c'est d'être dans le royaume. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que Dieu nous garde, qu'il vous bénisse. Préparons-nous pour le retour du Mashiach. Oui, on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui, voilà, je me permets de vous appeler pour apporter un témoignage, enfin, quelque chose que j'ai reçu en vision il y a quelques temps de cela, mais ça m'avait beaucoup perturbée parce qu'à un moment, je m'étais retirée de ce milieu évangélique. Et puis, en fait, Dieu me montre une vision où je vois un pasteur très connu sur la... Allô? Oui, on est là. Voilà. Un pasteur très connu sur la place publique, on va dire, en Île-de-France. Et c'est une vision... J'étais aussi dans cette vision et je voyais ce pasteur avec la chemise et la cravate. Et en dessous, il était en caleçon. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, hein, mais ça m'a beaucoup troublée parce que c'est quelqu'un quand même que j'ai commencé à suivre au départ. Et puis, j'étais dans cette assemblée et à un moment, les gens, ils disent, on était tous ensemble comme l'église et je vois quelqu'un qui sort et qui dit, repentez-vous, sinon vous irez en enfer. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais dans toute la foule qui était là et en fait, il a commencé à y avoir une rafale de balles, des balles qui tombaient sur les gens qui tombaient, qui mouraient. Et moi, j'étais pris dans ce imbroglio-là, et je me suis réveillée, mais j'étais troublée. Je me suis dit, mais Seigneur,
ces gens-là, parce que j'ai commencé à suivre ce programme, à croire que voilà, il fallait être béni, il fallait donner, etc. Et en fait, je me suis dit, mais il y a même des grands pasteurs, comme on les appelle, qui vont chez ces gens, qui font des conférences, qui font. Alors j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. C'est qui est bon, c'est qui est. Et en fait, je commence à comprendre. Grâce à ce programme que je suis, enfin de temps en temps, ce programme que vous faites, que je suis convaincue que c'est vraiment Jésus-Christ. Et que vraiment, je suis un peu réfractaire de ces bâtiments d'église, parce que j'y vais plus d'ailleurs. Je suis comme ça, je veux pas me mentir, j'ai pas une vie forcément qui honore le Seigneur, mais je m'efforce là à retrouver Jésus. Et voilà, donc je vous dis sincèrement, et moi ça me porte un fardeau sur le cœur parce que j'ai connu l'évangile, je me suis un peu retirée, mais je reviens à Jésus et je suis en train de dire, même ma famille est prise dans la religion évangélique. Et moi j'étais prise dans cette religion et en fait je me reconnais que je ne connaissais pas Jésus, je suis passée à côté et je dis Seigneur, il y en a tellement qui se meurent dans ces églises, alors aide-nous, voilà. Tout ce que j'ai à dire. Merci. Que Dieu nous aide, effectivement. Le Seigneur disait par rapport aux pharisiens, malheur à vous, pharisiens. Et il a sorti plusieurs malédictions, hein, quand même. Il a déclaré plusieurs paroles de malédiction sur les pharisiens, sur les chefs religieux, parce qu'ils empêchaient le peuple de découvrir la vérité. Hein, et il leur disait justement, merci à ma sœur, en tout cas. Voilà. Merci. Bonsoir et bon courage à vous. Merci. Il leur disait, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Et beaucoup de ces pasteurs aiment qu'on les appelle père spirituel. Hein, père spirituel, père spirituel. Et voilà. Et ensuite, il leur dit, c'est terrible ce qu'il leur dit. Il dit, insensé, aveugle, car lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande. Hein, et ils aiment tellement l'offrande, ils aiment tellement l'argent. Hein, et qu'ils sont prêts à tout pour se faire de pour s'enrichir. Et pareil, il dit malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous êtes semblables aux sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Voilà. Et il dit aussi vous achevez de remplir la mesure de vos pères. Vous achevez de remplir la mesure de vos pères. Serpent, race de vipères. Et c'est terrible, hein. Comment éviterez-vous le supplice de la géhenne? Car voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Et c'est terrible. Ils aiment s'habiller aussi en vêtements, en robe, tout ça, et se faire appeler rabbi, maître, maître, ou encore mon maître, mon maître. Et voilà. Ils enlèvent la clé de la science à beaucoup et ils ne veulent pas laisser entrer dans le royaume ceux qui veulent le faire. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle au fait pour intervenir par rapport au sujet dont vous parlez de Babylone et au fait notamment par rapport au frère Patrice. Ce que vous dites, c'est vrai parce que moi, au fait, le Seigneur m'avait parlé de lui depuis 2012 et bon, j'avais prié pour lui. Et une fois, je parlais avec une sœur qui me demandait s'il était dans le bon. Je lui disais non, moi, il n'est pas dans le bon. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour ce message de repentance qui lui est adressé. Et il y a aussi un pasteur en RDC qui s'appelle Walesa Kabundi. Lui, il est aussi dans le faux. Donc, un jour, au fait, le Seigneur m'avait crié son nom. Et par sa grâce, je l'avais en vitesse dénoncé, mais j'étais pas sur le bon site, au fait. Donc aujourd'hui, je le dénonce aussi, Walesa Kabundi n'est pas non plus dans le bon. Donc il doit aussi se repentir parce qu'il emmène beaucoup de gens en enfer. Kabundi Walesa, qui est en RDC. Surtout quand on accepte que les gens dansent ou chantent pour toi et que des gens créent de fan clubs pour un pasteur.
hein, ou les amis de tel pasteur. C'est sûr que tout ça là, c'est n'importe quoi. Et il faut se lever toujours contre l'idolâtrie. Quand les gens commencent à vouloir nous adorer, nous élever, il faut toujours leur dire, c'est pas nous, hein, qu'ils sommes l'objet de votre dévotion, mais c'est plutôt le Seigneur. Et donc que Dieu. En tout cas, il y aura une émission sur ce qui se passe au Congo RDC. Il y aura une émission sur ce qui se passe dans les églises aux États-Unis et en Europe, partout. Donc, pour exposer toutes ces œuvres-là, les œuvres des ténèbres, davantage. Que Dieu soit béni au nom de Yeshua. Voilà, mes amis, on arrive à la fin de l'émission. Et que Dieu nous garde. Alors, bien sûr, sans parler de ces pharisiens qui se trouvent à Paris avec leur fédération d'église où ils se retrouvent tous avec sur leur site internet préféré et pour se congratuler les uns les autres et avec leur soutane. Quand je vois ces images de ces pasteurs divorcés, remariés que je connais personnellement et qui ont quitté certains pays européens pour venir se réfugier en France ou qui ont quitté la France pour aller ailleurs, qui ont laissé famille, enfants. Et pour recommencer les églises ailleurs, et ils sont acceptés par leurs frères pasteurs, par leurs apôtres, soi-disant, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient européens, qu'ils soient africains, antillais, tout ça. On n'a rien contre les hommes. C'est contre ces pratiques que nous nous levons, parce que cela fait honte au Seigneur, et beaucoup des païens ne veulent pas venir au Seigneur à cause de nous. Que Dieu nous garde, qu'il nous pardonne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. En fait, je voulais faire un petit témoignage sur le songe que ma fille a fait. Ouais. C'est sur l'enlèvement. Est-ce que ça concerne l'émission de ce soir? Non, on pourra peut-être. Bon, de toute façon, quand il est question, à chaque fois qu'il est question de l'enlèvement de l'Église, voilà, ça concerne tout le monde et peu importe le titre que l'on donne à une émission. Mais par contre, ce serait bien si vous pouvez venir sur place pour qu'elle donne ce témoignage-là. Ah, mais quel jour alors? Quand vous pouvez, on est là. Quand vous, je pourrais. Un Mais il y a des samedi. jours où vous Un êtes là tous les samedi. jours alors. Un samedi. Comment? Un samedi, par exemple. Un samedi, par exemple, d'accord. Je verrai si ce samedi je peux venir Ok, merci. avec elle. Monsieur. Ok, au revoir. Voilà, mes amis, je crois qu'on arrive à la fin. Hein, on arrive à la fin de l'émission. Soyez fortifiés, soyez encouragés. On est au front et on combat pour la vérité, on combat pour la sainte doctrine. Et ce n'est pas un sujet de gloire. Parler comme ça n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est mes amis, une nécessité, c'est une charge. Et les hommes ne sont pas mes ennemis, mais nous voulons simplement délivrer le message que nous recevons de la part du Seigneur. Et nous n'avons pas d'autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. Soyez fortifiés. Et je tiens à préciser que je n'ai pas de disciples. Voilà, je n'ai pas de disciples. Nous sommes tous disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui reçoivent ce message ici et là, s'ils le diffusent mal ou s'ils se comportent mal envers les uns les autres, il ne faudrait surtout pas nous attribuer, hein, leur comportement, leurs erreurs. Que Dieu nous garde au nom de Yeshua. Soyez fortifiés, soyez bénis au nom de Yeshua. Amen.